Salut à tous, Sunny, et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve les gars pour je teste des glitches TikTok. Ça fait extrêmement longtemps que on n'a pas testé des glitches TikTok et je me suis dit, bah, vous savez quoi les gars, je vais aller sur TikTok, ça fait longtemps, peut-être qu'il y a des nouveautés. Et bah oui, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux glitches à tester. J'espère que ça va marcher, ces fameux glitches TikTok. J'espère qu'on va pouvoir se faire de l'argent, de la money. On a besoin d'argent sur GTA, voilà, ça commence à devenir la crise. Même nous qui avons des comptes un peu cheatés, eh bien ça commence à devenir un peu la crise là. Donc on est parti pour tester ça. Un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et let's go pour le premier glitch. Make GTA 1 million every 3 minutes. C'est le premier glitch, attention. Ok, c'est anglais. Go to this dealership. Welcome to the Windows. On s'approche de la truc. Buy the Turismo, donc lui achète la Turismo. Donc nous, on n'aura pas la Turismo malheureusement. Mais c'est avec n'importe quel véhicule. Drive to the LS Custom. Ok. Et on peut le vendre plus de 300 000. Les gars, on est parti pour le premier glitch. Alors, comme vous avez pu le voir, il faut aller ici au Luxury Auto. Bah, c'est un tout nouveau glitch. Hein. On va pouvoir voir si ça marche ou pas. Donc, du coup, c'est assez récent. Voilà, c'est une nouveauté sur GTA. Donc, le fameux bâtiment, le fameux nouveau intérieur. On va y aller et on va voir si. Effectivement, en achetant eh bien, ce petit truc, nous allons pouvoir faire de la marche. Alors, une fois que vous êtes ici, eh bien, hop, il dit, vous approchez de la vitre, en gros, techniquement. Vous approchez de la vitre, voilà. Appuyez, ok. Regardez la vitrine pour voir le véhicule. Et donc, apparemment, oh, écoute, 1,9 million quand même, et l'autre, combien? En fait, il faut acheter un des véhicules, quoi. 751 000. Bon, je vais acheter celui-là, ça me coûtera moins cher. Alors, 751 000, une fois que vous avez ça, vous achetez. Et donc, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté le véhicule. Voilà, 751 000, retenez bien ce chiffre. On s'est mis, je sais pas pourquoi. On a bien acheté le véhicule, maintenant, on attend qu'il soit livré et on va voir si ça marche. Et nous vous confirmons la livraison de votre Zentorno à votre dépôt. Donc, j'ai acheté la Zentorno, donc lui, il a acheté la Turismo, c'est n'importe quel véhicule. Hein. Alors, Mécano va me livrer ma petite Zentorno. Et normalement, on est censé se faire un bénéfice en l'achetant aussi. J'espère que ça va marcher parce que sinon j'aurais perdu quand même de l'argent. Ok, Zentorno est là. Ça arrive, hélico, ok. Let's go, je t'attends. Je veux tester ce glitch. En plus, elle est custom. Ah ouais, d'accord. Ok, ça je ne savais pas. Bon, du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas non plus. En fait, quand vous l'achetez dans la vitrine, et eh ben vous avez le véhicule en gros bah, custom en fait. Vous l'achetez customisé, vous l'achetez pas genre naturel quoi. Genre couleur noire ou autre. Ok. Alors, maintenant, j'espère que ça va marcher. Voilà, j'espère que ça va juste marcher, ce petit glitch. Attention, est-ce qu'on va réussir à vendre le véhicule plus cher que 751 000? C'est ce qu'on nous promet. Allez, vendre. Eh ben non, on s'est fait arnaquer, les gars. 448 000. J'ai perdu combien, là? J'ai perdu combien? Attendez, je vais prendre mon téléphone. J'ai perdu combien, là? Je viens de perdre 300 000 dollars, merci TikTok. On commence plutôt bien la vidéo avec mon 300 000 et on se retrouve du coup. Bah je vais le vendre. Hein. Je vais en faire quoi la Zentorno? Je vais la vendre hein, malheureusement et on aura perdu de l'argent. Voilà, merci. Get 2500 chips, donc acheter 2500 jetons. Ok, c'est le deuxième glitch, attention. Ok, j'ai acheté 2500. Ensuite, qu'est-ce qui va nous faire ce petit? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une fois qu'il achète 2500. Then make you main. Ok, il va au truc des chevaux, tout simplement. Donc les trucs des chevaux, bah en fait c'est le là où vous pouvez miser avec les chevaux, c'est un peu comme voilà, il rentre dedans. Et sit and then exit. Donc vous asseyez, tu t'assois tranquille et tu quittes quoi. Au calme quoi. Ok. Une fois que c'est fait, tu vas au Diamond Machine, donc la machine Diamond. Vous mettez les 2500. Ah ouais, c'est lui direct, toi. Bête max, quoi. 2500. Et attention, attention, il a les 3. Ouh. 2500. Ok, les gars, on est parti pour le deuxième glitch de cette vidéo. Et tout simplement, il faut aller, comme on a pu le voir, au casino. Et oui, au casino, on va rentrer tranquillement, sans arme, hein, forcément, parce que si tu rentres dans un casino avec une arme, ça craint un peu, quoi. Je veux dire, dans la vraie vie, je pense que tu rentres pas. Après, pourquoi pas, faut tester. Je rigole. Non, en vrai, tu rentres pas. Alors, une fois que vous êtes rentré, vous allez au casier tranquillement et vous allez devoir acheter 2500 jetons. Ok, hop,
acquérir des jetons, voulez-vous acheter 2500? Oui, c'est parti, let's go. Hop, voilà, on va pas faire les autres trucs au cas où ça erronne le glitch. Ensuite, il faut aller tout simplement, les gars, au inside track. Vous allez dans les trucs de chevaux, quoi, tout simplement. En gros. Voilà, hop, c'est juste ici les trucs de chevaux. Il faut s'asseoir. Donc, je m'assois. Hop, continuer. Ouh, il y a du choix à l'amuser quand même. Je sors. Voilà, vous quittez. Juste, tu t'assois, tu sors, quoi. Ensuite, vous retournez là où il y a les machines. Donc, c'est juste là. Voilà, vous faites le chemin inverse, hein, tout simplement. Là, ok, il y en a une juste là, les gars. Diamond Machine, elle est là. Continuez. Et là, faut mettre le mise max. Et apparemment, une fois que tu as fait la mise max, donc mise maximum, c'est bien 2500, comme vous avez pu le voir. Et on est parti pour faire tourner. Attention! Eh ben non. On avait qu'un diamant. On a gagné quand même 5000. On a quand même doublé la mise. C'est pas mal par rapport à au glitch de la Zen Tourno où malheureusement on a perdu des sous. Bah cette fois-ci on a gagné. On a gagné quand même 2500. Hein. Bon, je pense que c'est plus une question de chance qu'une question de glitch qui marche, les gars. En vrai, le glitch ne marche pas. Il n'est pas validé malheureusement. On sait pas un maximum de sous et on va échanger nos jetons. Voilà, histoire de. Voilà, vous me donnez mes sous s'il vous plaît. Ça fait quoi 290? Ah, j'avais quand même pas mal de trucs. Hein. Oh, c'est bien ça. Ah ouais, j'avais pas mal de trucs et je vais même échanger cela. Voilà. Ah, j'avais des jetons, les gars. Ok, bon bah on s'est fait un peu d'argent, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, on a doublé. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le troisième glitch. C'est parti pour le troisième glitch, Ultimate Broly Glitch qui marche en 2022. Il faut acheter un masque. Ok, vous mettez un masque où on voit pas votre visage. Ok. Now, vous rentrez dans le magasin, donc Superette, ok. Vous ne tuez pas le mec, en gros, vous le faites peur. Là, il va vous donner des sous. Ok, donc il se fait 1400. Ouais, pourquoi pas. Tu bouges de la scène. Et tu reviens, et là, bon, ça peut marcher. Et ben, on va voir si on peut faire ça en limité, les gars. Et on est parti, les gars, pour le prochain glitch. Et pour ce prochain glitch, on va faire comme lui, on va aller au LS Custom qui se trouve juste ici sur la map. C'est le troisième glitch de cette vidéo, on va tester. Il faut tout simplement avoir un masque où on ne voit pas le visage. En l'occurrence, j'ai la chance, mon masque de chérubin, eh bien, nous ne voyons pas le visage. Une fois que vous avez ça, il faut aussi un véhicule ou, bah, en gros, un véhicule comme le mien, genre une place et tout, on ne peut pas rentrer. Vous allez ici, vous dites bonjour monsieur, vous sortez, on va prendre un petit fusil à pompe, vous ne le tuez pas. Donc vous l'intimidez, vous tirez à côté, faut pas le tuer, faut qu'il nous donne le sac. Attendez que le commerçant ait fini de vider la caisse pour ramasser un maximum d'argent. Allez, on l'intimide, on casse tout. Voilà, allez, donne-moi l'argent mon pote. Si c'est un petit braquage, donc tu me donnes tes sous. Voilà, hop. On s'est fait 1921, ok. Bon, ensuite, bon, comme vous avez pu voir, on a la police. What? Eh, il y a un gars qui... What the fuck? Ah ouais, il y a un gang qui a défendu le... Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, on va attendre qu'on ait plus la police, les gars. Ok, et apparemment, les gars, on peut revenir cambrioler. Eh ben non, on peut pas revenir cambrioler en illimité. Malheureusement, ça ne marche pas. Je sais même pas si on peut même vider la caisse, on peut même pas. On peut rien faire, en fait. Si je tire, ça fait quoi? Ouais, il y a 74$, mais... Eh ben écoutez, le glitch ne marche pas. Malheureusement, encore une fois, on se fait arnaquer. Quand est-ce qu'un putain de glitch va marcher? J'en ai marre. Il n'y a aucun glitch qui marche. TikTok, vous me rendez fou. Quand est-ce qu'un putain de glitch... Déjà, je suis à moins 300 000. Donc là, ça commence à vraiment, vraiment secouer. Là, ça commence à me casser la tête, quoi. Quand est-ce que ça va marcher? Jamais un seul glitch a marché. Il nous en reste deux. On va tester le quatrième glitch. Let's go. Allez, c'est parti pour le quatrième glitch. Comment avoir 2 millions? C'est un Français en plus. Rendez-vous à l'aéroport et montez les escaliers. Ok. Donc on arrive là, on monte les escaliers. Pourquoi pas? C'est un bâtiment qui est accessible. Hein. D'ailleurs, ok, tuez ces deux personnes. Il y a toujours des PNJ ici. Vous tuez les deux PNJ ici. Ouais. Achetez directement à boire. Donc là, vous rentrez dedans, vous prenez à boire. Donc vous allez avoir l'animation et tout. Donc en fait, il faut acheter directement. D'après lui, c'est direct. Il ne faut pas attendre. Tu prends ta petite boisson, ton petit coca. Voilà.
Ok, et ensuite, appelez le numéro 226 2500. Ok. On va voir quand c'est. Ok, apparemment ça sonne occupé, busy. Et normalement, on va se faire des sous. Enjoy! Et ben, on va tester ça. Pour le quatrième glitch de cette vidéo, et il faut tout simplement venir ici sur la map. Donc, vous venez là à l'aéroport, ok. Hop, c'est juste là, les gars, l'aéroport, le petit bâtiment là. Et vous montez ces escaliers. Donc, moi, je ne suis pas cassé la tête. Hein. Je veux dire, j'ai pris tout simplement, les gars, là où je sors, je l'ai mis tout en haut. Une fois ici, vous arrivez, et normalement, il y a deux Benji qui sont assis. D'accord, ok. On va les tuer. Tranquillement, voilà. Bon, déjà, on va récupérer un peu d'argent histoire de, tu vois, hop, 26$, 26$. Hop, bon, je suis monté carrément en haut. Pourquoi pas? Hop, on descend, voilà. Vous achetez une boisson. Tranquille, vous avez l'animation qui va se mettre. Et une fois que vous avez acheté cette boisson, qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Et oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, attention, appeler un numéro, mais pas n'importe quel numéro. Donc, voilà, on attend que l'animation se finit tranquillement. Et vous allez prendre votre téléphone. Vous appuyez sur carré, faites un contact, carré, et vous appelez le 226 et le 2500. Voilà. 226, je regarde bien si c'est bien ce numéro. Vous appuyez sur carré, et normalement, attention. Attention, oui, de l'argent. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il se passe rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il se passe rien. J'ai tellement du mal, Spider-Man. C'est ta faute, tout ça. C'était plein de glitch, ça ne marche pas. C'est ta faute. Merde. Aucun glitch qui marche. Il n'y a aucun putain de glitch qui marche. On se retrouve pour le dernier. Le dernier va marcher, je vous le dis. 10K par seconde glitch. Oh, pourquoi pas. Go to this location. Ok. Get a car to this position. Ok, vous mettez le véhicule comme ça. Vous rentrez dans le glitch, ça va vous tuer. Et vous relancez le jeu. Et normalement, vous allez recevoir 10 000. Bon, c'est pas tous les 10 secondes, mais on va tester. Ok, on est parti pour le prochain glitch de la vidéo. Et c'est le dernier. Donc, il faut aller ici sur la map, tout simplement. Ok. Donc, c'est juste à côté de la prison, qui est juste ici. Vous prenez un véhicule et vous montez ce petit mur, tout simplement. Ok. Une fois que vous êtes ici, bah, vous allez mourir. Vous quittez le jeu, donc on va quitter le jeu tranquillement, voilà, hop, hop, fermez le jeu, voilà, et on relance le jeu. On est parti pour aller en session sur invitation, et normalement, on est censé recevoir 10 000, donc on va voir si on va recevoir 10 000 ou pas du tout, ou si on va recevoir bah, rien de rien, mais vraiment rien de rien. Accès à ce qu'on allait, s'il vous plaît, j'espère que ce glitch va marcher. Allez, on espère. Je mets la caméra en plus pour vous voyez. Attention, c'est tout de suite maintenant qui va s'afficher. Plus 10 000 ou pas. Et ben non. C'est un échec total. C'est un échec total. Et ben voilà, on a échoué. Malheureusement, aucun glitch n'a marché dans cette vidéo. On s'est même fait carotter 300 000 dollars, les gars. 300 putain de 1000 dollars. Ceux qui ont vraiment testé ce glitch TikTok, comme moi, ils ont vu TikTok, ils ont dit, bah, ça peut marcher. Ils se sont fait arnaquer de 300 000.